Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au Festival de la Créativité. Vous allez assister à une démonstration culinaire en direct. On a des captations avec les caméras, ce qui fait que vous pourrez voir des gestes. Tout à l'heure, on pourra leur poser des questions, vous pourrez leur poser des questions éventuellement si vous voulez. Une heure de cuisine et puis ensuite une demi-heure de discussion, dégustation. Bon alors allez-y, c'est parti. Bonjour. Alors, bonjour. Chromexki, Paris 8, juste à côté de chez Béatrice. Voilà, on est voisins, on est dans le même quartier. Voilà, ça vient du même endroit. Alors aujourd'hui, c'est une poularde de Bresse, homard et oursin. Sobriété, simplicité. Voilà, c'est un grand classique qu'on retrouve depuis le 19e, fin du 18e, début 19e. Donc du coup, je la travaille en plusieurs façons. Les suprêmes, contisées avec une farce de champignons de Paris, beurre d'homard, estragon. Le corps du homard. En deuxième lieu, j'ai pris les cuisses en ballotine, farcies avec les interpinces de homard. Et en dernier lieu, on va farcir l'oursin avec une crème de volaille, homard et langue d'oursin. Ouais, c'est vraiment très terre-mer, quoi. Ah oui, mais moi j'adore ça, ces associations comme ça. Oursins qui viennent d'où? De Bretagne. D'accord. C'est du breton violet qui vient de pas loin de Carantec, par là. En fait, j'aime pas resaler derrière. Ce que j'aime bien, c'est trouver la concentration de sel qui est déjà dans les produits, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, tu vas l'utiliser pour... Pour assaisonner. L'oursin ne sert que pour l'assaisonnement, en fait. D'accord. Donc la volaille, elle est pochée à 56 degrés, basse température, pendant 40 minutes à peu près. Et après, elle est juste rôtie. Au dernier moment, elle est reprise un petit peu dans le beurre de homard, quoi. Ah, des petits poireaux blanchis, tout simplement. Exactement, tout simplement, pour apporter un petit peu de fraîcheur. Alors l'oursin avec royale de volaille. Voilà, royale légèrement prise, mais pas trop. Il faut que ça reste crémeux.